Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de battre Dark Vador. Alors, pour trouver Dark Vador, c'est très simple, il va falloir attendre que vous soyez dans le bus et je vais vous montrer comment le repérer. Ok, donc quand vous êtes dans le bus, vous pouvez essayer de repérer un vaisseau, parfois il passe à côté de vous. Donc là, oh, regardez, il est juste là-bas. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement suivre ce vaisseau et atterrir là où il atterrit. Il peut atterrir à 5 emplacements bien précis. Mais de toute façon, vous regardez, hein, quand vous sautez du bus, vous regardez. Parce que quand il atterrit, il va émettre un rayon bleu. Voilà, un rayon bleu lumineux, comme ça, pour vous montrer où il se trouve. Donc là, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est de prendre une arme. Essayer de choper une arme quelque part. Et ensuite de tuer Dark Vador. Donc Dark Vador, on peut le voir, il est juste là. Est-ce que je vais réussir à le pinguer? Non, j'arrive pas à le pinguer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas y aller directement. Je vais d'abord me loot. Chercher après des armes. Et ensuite, je vais rejoindre les autres. Et essayer de le tuer. Ok, donc regardez, la vie du Dark Vador est en train de diminuer à fond. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre qu'il diminue encore plus. Et ensuite, dès qu'il lui reste plus beaucoup de vie, ben là vous le tuez. Essayez de tuer les autres adversaires qui sont à côté. Pour pas qu'il vous gêne. À la limite, prendre un véhicule pour essayer de le tuer, ça peut être pas mal. Oh là là, oh là là. Je suis dans la merde. Ouais, je suis dans la merde. Mais voilà, ça va être une tâche un peu compliquée. Mais voilà, vous pouvez essayer plusieurs fois, essayer plusieurs techniques, essayer plusieurs armes. Je pense que ça ne doit pas être trop compliqué si vous tryhardez assez bien. Normalement, vous devriez le tuer assez facilement. Et dès que vous l'aurez tué, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakulMec et ciao. Peace! Yummy, bruh.